Bonjour. C'est très tard. Allez, arrête, je le monde. Allez, France, Australie, Australie. Oh, Smartaz. Je l'ai en 54. Bonjour. Café, la France. Café, la France. Just one moment, please. Hello. 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 Bonjour à tous et bienvenue dans Sportaz Matinal. Just one moment, please. Hello. 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 Sportaz numéro 454. Right. La sale affaire. Le coup de but du sélectionneur. Le match ripou. Australie-France, sous la pluie, dans le froid, pour qui sonne le glacla. L'équipe de France qui sort d'une défaite en match amical, qui ne doit rien à personne et qui en même temps doit tout faire à chaque fois au maximum. Ils doivent franchement, comme nous d'ailleurs, se les demander ce qu'ils foutent là. Ça doit être à peu près la grande question des joueurs. Ce sera pas serons-nous bons, allons-nous gagner, c'est qu'est-ce qu'on fout là. Effectivement, on peut s'en étonner. Les gars, il y a des hymnes. Ah oui, pardon. Quoi, c'est quoi, l'hymne français? C'est la Sarmillaise. Voilà. On n'a pas le son. Ah. Les Australiens ont une perception assez sympa, quand même, hein, de l'hymne national français. Allons enfants de la pénurie, les jours de révolte sont arrivés. Contre nous de la bourgeoisie, le capital sanglant est levé. Ces flics sont toujours en campagne, barbares et serviles soldats. Ils viennent jusque dans nos bras, matraquer nos filles, nos compagnes. Vas-y, Troya, attaque. À bas la mondialisation. On va tous leur mettre un doigt. Tous au Qatar. Marcher. Qu'est-ce que c'est l'hymne? C'est un match politique, les gars. Ah, pas encore, hein. La communauté française d'Australie, hein, c'est quelque chose. Hein. Regardez-moi ça, c'est absolument extraordinaire. Nous sommes fiers d'être ici. Vive le kangourou, vive le roux, vive le kangourou. Voilà l'hymne, triste destin de cet hymne de l'équipe de France et de ce Sportaz 400 secondes. Non, mais en plus, là, c'est sérieux. S'il te plaît, c'est... Non, on dort pas. L'hymne australien. Fous-moi-en un bout pour voir. Pas mal. C'est moins indicatif. Moi, hein. Ouais, ça va péter. L'hymne australien, donc, que nous écoutons solennellement avec moult respect. Remix. Australien avec ses stars, Jacques. Hein. C'est sympa d'être venu. Ouais. Kangoo. Scénique. Ils sont tous là, les Australiens. L'espace. Putain. Le Bush. Parce qu'il y a un Bush, il faut se rappeler quand même. En Australie, il y a également un Bush, la putain de 5 mètres. Politisons pas ce match, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on le débute dans la joie, la bonne humeur et surtout la facilité. Il pèle, hein, il pleut quand même ici, c'est minable. Hein. Attention. Si. Attention. Assis. Australie, France. L'horreur à 10h. Le décalage horreur. L'équipe d'Australie avec Kangoo, lève toujours, bien sûr, il y a. Qu'est-ce que c'est devant là? Qu'est-ce que c'est? Il y a Loco qui joue maintenant pour les Australiens. Non, c'est Choco. Ah oui, Choco, pardon. Choco. Choco, pour hein. Pour le matin, c'est pas mal. C'est pas mal. Si on pouvait m'amener un croissant, ce serait bien aussi. Hein. Lazarfeld, alors que là, il y a la Comtesse, il y a Marcello, Chandelier. Oui, c'est pas tout à fait là. Hein. C'est Bac un Rivera, espèce de mix d'équipe de France. Carambeuf, hein. Le Bluff. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette équipe? Parcès qui est le retour. Platidane, bien sûr, le petit bijou mondial. Durex. Il y est pas là, si tu le vois, oui. Très reggae. Oui. Makekekeke. Ouais. Enfin, il y a là.
Il y en a quelques-uns quand même. Ils sont là avec leur double médaille de champion du monde, de champion d'Europe. Et ça va être quelque chose. Oui, face à une toute petite équipe d'Australie, dans un sport mineur en Australie, bien sûr. Oui, mais attention, Jacques, ils sont en passe de pouvoir se qualifier pour la Coupe du Monde tout de même. Ouais, enfin, ils ont son niveau des barrages, hein, comme EDF. Oui, bon, c'est vrai. Même s'ils jouent moins, de façon moins électrique tout de même. Et la composition de ce trio arbitral, on finit nous aussi de préparer le café. Vous entendez la machine à café derrière. Ouais, ça chauffe, on en a pour 3 litres là. Shambhala. Match amical s'il en est. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a encore des matchs amicaux, Jacques? C'est quand même, hein? Au niveau où ils en sont, tout ça en préparation de compétition officielle. Écoutez que c'est un match public, un match amical, c'est déjà ça. Il n'est pas vendable de la même manière qu'une grande compétition type Coupe du Monde. Je rappelle que la prochaine Coupe du Monde sera la première Coupe du Monde privée au niveau de la retransmission télévisuelle. Donc nous allons rien voir. Oui, bien sûr. Nous commenterons en crypté, c'est-à-dire... Action. Il nous reste à peine quelques instants pour vous signaler que ce match est arbitré par Monsieur Saffeto. Oui, assisté de Monsieur, je confirme. Par contre, le troisième assistant ne s'est pas levé. Ah, il est forfait. Oui. Ça va commencer. Il fait bon dans les studios. Alors on en profite pour saluer le stand vert du marché Saint-Cernin, où ils doivent se peler depuis un bon moment déjà. Le CD également a très très froid, donc n'hésitez pas, achetez. Le stand vert qui, je crois, retransmet cette émission, hein, Jacques. Je tiens à le dire, voilà, c'est parti entre la France et l'Australie, et ce sont les Australiens qui d'entrée ont la balle. Ont la balle, ils font passer sur le côté droit, c'est une sortie, c'est une touche, et il semblerait que les Français soient venus avec des intentions, Jacques, sur les premiers petits mouvements, on sent qu'ils ont la volonté de faire quelque chose très vite. Ouais, ils sont contents de voyager, de découvrir le monde, depuis qu'ils sont champions du monde, ils ont l'impression de dominer le monde et de voyager celui-ci. À travers chaque match, hein, dans chaque match, plus exactement, avec 40 buts. 40 buts qui donne gentiment à son partenaire Birax qui le met derrière pour Marcelo. Grandiose Marcelo, capitaine bien sûr, toujours impeccable dès qu'il a le compte en banque bien. Alors, il est impeccable tout le temps alors parce que. Avec ce qu'il palpe quand même, il ne va pas tout défoncer. Ça fait longtemps qu'il est bien. C'est pas le stand vert. Le ballon dans les pieds de Carrefour, je vois pas ce que fout Carrefour en Australie, Jacques. Ouais, il se développe. C'est assez grand, ils estiment que peut-être ils vont pouvoir une fois de plus faire le plus grand supermarché. Ah oui, il touche un grand rayon là. Hein, comme on avait fait une des plus grandes usines à péter ici même, donc à Toulouse. Je salue Total Fina et sa grande responsabilité dans toutes ces affaires où elle est impliquée, bien sûr, et tous ces milliards gâchés. Envoyer du verre, mais cette fois-ci entier. Et le ballon est dans les pieds, tricolore, 1 minute 23 de jeu, toujours 0-0, c'est vous dire le drame que nous allons vivre aujourd'hui. Le dépit nous guette. En ce 11 novembre, allons enfants de... Ça tire. Ouais. Alors ? Ça tire. C'est bizarre. Ça arrive. Platidane, le bœuf. Oh ! Attention ! Ah merde. Envoyez les CD ! Mais ça ne marche pas. Ça vous fait rire. Direction le stand vert. Hein. C'est pas une publicité, ça, Jacques. On peut pas dire que c'est une publicité. Non, ce n'est pas un engrais, le stand vert. Et le ballon est dans les pieds de Marcelo, capitaine Frances. C'est un coup de pied droit, un peu fort. Marcelo veut faire des grandes ouvertures maintenant. Ça n'a jamais été son fort. Hello. Spirax qui récupère ce ballon pour l'équipe de France, on fait légèrement tourner, les Australiens pour l'instant se montrent timorés, ils n'attaquent pas complètement le porteur du ballon. Et c'est une ouverture sur la droite cette fois-ci, tête de Chandelier me semble-t-il, qui a pu donner cette balle à moins que ce fût la Comtesse, et on remonte avec la France. Oh, je vois à peine 2 minutes 30 de jeu, Bacriviera. Je vois à peine 0-0 entre les deux. 42, Bacriviera. Australie, français. On cherche Platidane, on ne le trouve pas, on n'arrive pas à la lui donner cette balle. Donner au grand bijou de France. Les zizous. Oui, les zizous de famille. Ah ouais. Intervention de Monsieur Saffeto. Ah mais lui, il n'était pas sur la feuille de match. Monsieur Saffeto,
je parlais du joueur là. Si, c'est Makeke. Makeke. Platidane qui perd immédiatement la balle. Et David va même pas au contact, rien. Non, c'est non, bah, c'est tranquille, un petit match tranquille entre amis. C'est bonjour. Il se protège. C'est bonjour. Platidane va aller lui-même tirer ce corner. Ah oui, on a marre de ne pas toucher la balle, alors il se place. C'est bien frappé, ça. C'était chaud pour la défense australienne et finalement c'était un re-corner. Ça ne fut pas dantesque. Non, mais pour un petit réveil, c'est sympathique. Voilà, il n'y a pas des hauts jeux, ils ne sont pas montés assez vite, les Australiens. Belle balle, quelle perle celle-ci. Elle revient et bam. Non, que ça le coule, les Makeke. Oh là là, ça va être dramatique, ouais, Jacques. L'équipe de France s'amuse, déroule, fait passer le ballon gentil. Ah, oh, voilà, ça, vas-y, ça swing. Qui veut tirer? Est-ce qu'il y en a un qui veut marquer? Du côté français, on se fait des cadeaux, c'est le 11 novembre. Oui, c'est vrai qu'on fête la paix dans la guerre. Petit croissant là, non, non. Oui. Un pain four. Un croissant australien qui saute. Makeke, serait-ce Makeke? Oui, il met derrière pour le bif. La semaine prochaine, France-Australie, c'est en rugby, c'est samedi. Oui, c'est pas pareil, hein. C'est pas le même horaire. Là, regardez-moi, tout le monde s'endort, hein, là, sur la pelouse. Ouais. Ça devient terrible. Même les publicités, on le voit, la balle s'endort. Oui, elle se cache elle-même. Sur le terrain, bien sûr, le ballon, lui, ne s'endort pas, il ne chôme pas, au moins. Avec Chandelier. Un ballon ne dort pas d'ailleurs, hein, faut le savoir, le ballon ne dort pas, il le récupère pendant le match, il y a suffisamment de temps mort, sa mère. Oui, c'était pas joli là, c'est une touche, c'était pas joli avant, c'est une retouche. L'équipe de France et l'Australie en sont à 0-0, ce que nous allons faire c'est prendre ce premier petit jingle qui va nous faire du bien. Tant de bien. Ah bien. Tout de suite on trouve le magazine Élections à la con. Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous allons vérifier les premières estimations donc. On voit avec une image, effectivement, on voit que Sportaz est pas mal du tout, Sportaz, sur les 94 de la bande FM. C'était l'élection à la con, hein, une prochaine fois, oui, à la con. Ouais, toi-même. Vous la refaites pas, les gars. Léger, hein, les gars, vous mettez juste un petit peu de lait dedans, hein. Ouais, ou déco, vous me mettez, nade. Tu me mets un sucre dans le jingle, s'il te plaît. Et oui, tu tournes, tu tutouilles. C'est une montée de Barcelo, hein, je dis ça pour ceux qui n'ont pas la télévision, qui sont nombreux à travailler en ce dimanche matin. Nanana. Que je salue. Et Françoise Salou. Oui, c'est bien, sa récupération française. Oh, faute. Oh, il y aura un coup franc signalé par l'arbitre, dont on écoute... Non, ça canarde un petit peu, hein, derrière. On a entendu un kangourou, hein. Roux. Kangourou parce qu'il y a des kangourous bruns, des kangourous longs. Un match à rebondissement. On le voit, c'est un coup franc pour les Français, un bon coup franc bien placé, ce qui nous fera un but, ce serait oui. Pas mal. Oui, la France est un but d'elle-même. Oh oui, feinte de Platida. Deuxième poteau. Okay, c'était une combinaison. Le bœuf est très devant, hein. Le bœuf est à la hausse. Ah, il a repris. Bien qu'il joue pour l'équipe de France, la comtesse en gros plan, Jean-Louis à la réalisation, merci. C'est parti avec Carpaccio. Deuxième poteau, peut-être en retrait, on ne sait plus quoi faire. On récupère. Oui, non, c'était pas Kriviera là. Hein. Ah. Si tu veux, il y a 20 cm d'écart entre les deux. Hein, le petit. Il y a le petit et le grand. Ouais. Le grand qui revient, mais les Australiens qui attaquent. Si c'est joliment fait, ça, ils montent. Ah, mais bon, comment ça? Ils perdent la balle bêtement. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Intervention, récupération. Là, on va trop mou, les gars, on se fait confisquer le ballon. Faites quelque chose, récupération jolie. Pour le capitaine Marcello. C'est un peu propre, hein. Pas de jeu fou. Le maillot français est immaculé pour l'instant, il n'y a pas eu un tacle, pas une tache. Tout se décide dans cette partie. C'est du gentil foot. C'est du foot sympa entre amis. Juste avant midi. Voilà, et ça circule. Là, c'est Makeke. Oui, bien, là, tu vois. Et là, c'est. Oui, tu vois bien la différence. Big back. Oui, cette fois-ci, la balle est bonne, donnée par Platidane. Platidane qui... Oh oui, on trouve le trouve le patron. Oh, dommage. Personne n'avait suivi et les Australiens peuvent récupérer ce ballon. Vas-y, Kiki, tu mets derrière. Dégagement du portier aussi. Ouais, ça fait du bien, ça, quand même. Hein. Vous écoutez toujours, hein, bien sûr, les programmes matinaux de Radio Campus. Ça fait tôt. Onctueux silençon. Bien fait ce petit ballon. Makeke qui ouvre sur le côté gauche, on oblige
un joueur français qui n'est autre que Chandelier. Ah oui, le magnifique Chandelier. Chandelier, il en veut, Chandelier en ce moment, il en veut, il est à mort, il centre bien le... Frappe écrasée, bien sûr, où est passé un LKF. Écrasé, c'est une frappe écrasée. Oh, tu peux dire frappe pourrie, oui. Ce qui revient au même pour le puriste. Le puriste. Daddy DJ, là, au cas où il faille intervenir, vous savez, c'est TF1, c'est la culture. Merci. Merci à tous. So, American. Yes, what are you saying? Dégagement du portier. Oh. Sacré dégagement du portier australien, on n'y va même pas, chez les Aussies. Mais il récupère la balle avec Dom Pipoto. Qui est d'origine espagnole. Oui, et il est passé dans Pipoto, il monte dans Pipoto, qui s'invite à la défense française, il monte, il pénètre maintenant, dommage, intervention. Ils sont trois français. Et que, est-ce que l'arbitre a sifflé? Oui, monsieur, ça fait tout bien de siffler un bon coup franc. On a vu Emerton Fittipaldi. Qui est où elle? C'est vrai. C'est vrai qu'il est où elle? Ah, c'est... Voyons. Oh boy, c'est le 10 oui, australien. Oui, Dom Pepito. L'Ossi 10. Et attention à ce coup franc, parce qu'il y a, mine de rien, Jacques, du côté australien, du tapeur, hein. Du frappant. Du tapeur. Tapeur. Du connu. Ils sont trois pour ce ballon. Makeke qui demande qu'on déconne pas et qu'on joue au sifflet. Ouais. Makel Keke aussi. Makel Keke. Hein, on le dit aussi. Mais... Parlons de ça. On va pas se gêner. Attention, attention. Le petit mur français, on le voit. Magnifique. En proie à des attaques terroristes. Un tripotage, hein, quand même. Oui. Oui, il est frappé, là, il est frappé. Ah, il y a Gaga, il a essayé de le retourner de côté. Mais les Australiens se sont contrés entre eux, les Français le font également. Oh, le ballon, joli. Très capricieux. Oui. Une aile de pigeon capricieux. Oui, aussi, ça saute toi. Pirec, sur le côté gauche pour l'équipe de France, on est très dangereux, si on s'infiltre. Ouais. On deviendra dangereux si l'on s'infiltre, les gars, vous avez compris, sur la droite. Remise du ballon, 42 sur la droite, il y a écrit la poste. Excusez-moi. On prépare la Coupe du Monde, hein, Jackie. Cappuccino, je suis en train de me faire un cappuccino. Ah, non, si. Jackie, vous êtes sur le chantier de la Coupe du Monde. Bon, excusez-moi. Non. Si vous le dites, mais on peut quand même boire le café sur le chantier de la Coupe du Monde. Hein. Ok. Au Japon, donc, bien sûr. Osaka. Nous sommes au Osaka Fé. Exactement. Et pour l'instant, il monte le stade, là. Entendez, j'espère que vous entendez derrière moi le bruit des travaux. Il monte le stade, un stade de 450 000 personnes. Déjà, attention, il y a une frappe, il y a un dégagement. N'exagérez pas sur le stade. Hein. Oui, ni sur la bouteille. Non, n'exagérez sur rien, Jackie. Ressaisissez-vous. Ouais, signez le contrat, surtout. Il y a de la concurrence, hein, je vous le rappelle, le ballon est dans les pieds français. Ah, on se fait mettre un peu parce qu'on y va, C'est le commentaire australien, ça, Jean ? Non, sûrement. La comtesse magnifique avec sa couette, sa queue de cheval, son plic. Oui, catogan, hein, si tu as froid aux mains. Et la boom. Frappe, Mais qu'il y avait position, c'est pas dit, hors jeu. En tout le cas, c'était sifflé. L'Australie repart avec la balle au pied, presque. Allez-y, monsieur. Montez, Platidane. Platidane qui doit. Ça doit lui faire bizarre de jouer dans ce maillot blanc et blanc. Il doit se sentir comme au Real. Ouais, ouais. Et pour l'instant, il n'y est pas trop bien. Composez dès maintenant votre équipe de France, la gagnante, celle qui sera championne du monde dans votre cœur pour votre vie. Voilà, ça finit les compétitions. Vous avez chacun votre champion du monde de cœur. Avec Pique qui perd la balle. Oui. Mais ce n'est pas la trèfle des confiseurs. J'ai l'impression qu'il y a un coup franc. Hein. Oui, il y a un coup franc pour les Français. Pour l'instant, Jacques, c'est pas tout à fait ça. Hein. Bon, moi, je suis plutôt pour le coup franc. Hein. Effectivement, la franchise honore l'individu dans ses relations quotidiennes. Oui, alors là, vous commencez vraiment à me prendre le vraiment. Hein. J'appelle immédiatement la police. Je me réveille. 42, gros plan, bravo Jean-Louis, beau travelling arrière, on peut relancer du côté australien avec boing, 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 boing. Alors qu'il est 10h16 à l'église. Vous l'entendez? Mes frères,
Je vous invite tous à aller vers le but, à donner beaucoup de vous en cette période particulièrement dure. Soutenez-vous, mes frères. Couvrons, putain, couvrons. Couvrons, y'a couvrons. Que s'est-il passé sur cette action? La comtesse voulait... Oh, la comtesse quand même en rajoute, hein. C'est dommage, c'est très dommage. C'est son côté bonus. Platidan au coffrant. C'est pas un cadeau. Platidan au coffrant à l'angle gauche de la surface d'opération. Platidan, il faut absolument qu'il pèse dedans. Oh là là, ah, non, ça va pas, ça va pas. Il y a une bonne prise de main, là, de Califano. Qui voyage, lui, par contre. Qui voyage vraiment, Jacques. Quand il va quelque part, il s'y installe pour un moment. Waouh! Installe de France. Dégagement du portier australien, tête de Bac Riviera. Carrefour. Un petit coup d'eau, oui, moi aussi. C'est pas mauvais l'eau. Hein. Ah oui, surtout le matin. Donc il y a pire, quoi. Ballon dans les. Oh oui, dans le rond central, intelligemment fait par Purex. Et on monte. On monte, la France monte. Platidan qui laisse filer. On s'amuse une fois de plus. Oh, oui. Oh là là, Platidan, là, magnifique, c'est beau, c'est très facile. Oui, il le sent, il le sent. Il tire un blabla, c'est repoussade. Il n'est pas réveillé, lui non plus. Oh là 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 là. Uchimata, relance manqué des Australiens, c'est dommage. Les deux. Makeke, Bac Riviera et tout le reste, là, vraiment ça tourne. C'est vrai que ça tourne, hein. C'est vrai que ça joue, mais pas là par exemple. Pas là, les gars, super bien vu. Yuna. Tout le monde au jingle. Il y avait une fois. Merci, hein, c'est sympa. Merci, non mais merci, c'est sympa. Merci d'avoir disparu. D'être prompt, ouais. Prompt à se tirer une balle dans la tête. Nous ne regretterons pas votre départ. C'est vrai que normalement, un footballeur suicidé se suicide à la balle dans la tête. Jacques, s'il te plaît. 11 novembre, bonjour. Oulala, oulala, alors là je peux te dire quelque chose. Hein. Alors les Français physiquement ne sont pas au top du réveil. Donc c'est normal, ils ont pris un avion qui repose beaucoup, ouais. Qui est très confortable. Alors on reste dans le confort, même après l'avion, on est encore dans l'avion. Platidan, on est parti. Oui, on est. Oh, ah, oh là, là là là. De la tête d'habitude, il y a de meilleurs rendements. Oui, mais ils n'ont pas le réveil, tu sais, c'est ça. Hein, ouais, c'est ça, ils sont encore dans la couette. Ils n'ont pas toute leur tête. Non. Ils l'ont ailleurs, ils l'ont là. Est-ce que... Ah oui, oh, superbe ce match. Le portier australien, c'est pas ça non plus. Oui, je rappelle qu'ils ont des places à faire à gagner pour une partie de handball qui n'handball personne, mais Stade Toulousain Nîmes, c'est le mercredi 14 novembre au Petit Palais des Sports à partir de 20h. C'est du sérieux cette fois-ci. Hein. Oui, 05 61 21 64 05 dans votre cœur. Oui, si vous souhaitez aller voir un vrai match de handball avec de vrais sportifs de haut niveau. Et on y va, du côté français, on monte sur la gauche. Bien, bien Coco, pique-toi, fais pas n'importe quoi. Oh, oh là là, Brel, oui, vous avez raison de le dire, monsieur, oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors que nous, on le voit pas très bien, mais il pleut à mort. Alors là, les joueurs français doivent se dire quelle fédération. Quelque chose comme ça, en tous les cas, c'est vrai. Arrêtez, s'il vous plaît. Les travaux, il y a toujours, je vous le rappelle, 0-0. Oui. Tiens, prends ça, là, voilà, ça et ça. Les pompiers arrivent. Pour le jeu, certainement. Est-ce qu'on peut récupérer cette balle? C'est monsieur Saffeto qui signale un coup franc. C'est pour la France. Et là, ils en prennent plein la gueule, Jacques. Ils en prennent plein la gueule. Ils ont raison. Il faut s'en mettre plein les poches et en prendre plein la gueule. En plein déluge, ils sont. C'est affreux. C'est affreux ce qui se passe pour ces joueurs français qui sont quand même habitués à plus de mansuétude pour leur
petite santé. Donc, composez votre équipe idéale, votre équipe de cœur, donc 05-61-21-64-05. Les joueurs que vous aimez, que vous adorez, qui vous permettent de vous endormir, de mieux vous sentir. Au cœur du sport, Taz. Ce sera une relance pour l'équipe de France, qui a du mal, c'est vrai, à trouver la cadence. Il perdra pas la balle. Mais quelle heure il est qu'il la donne tranquillement à Bac Riviera et il y a toujours... 0-0 Il y a toujours... Wow. Oh. 0-0 Il y a toujours 0-0. 0 La France a eu quelques possibilités mais n'a jamais vraiment eu la volonté de marquer. Il y a toujours... Mais pissez dessus. 0-0 Ouais, bien. 0-0 En direct, il y a du stand vert. Muscat qui fait cette remise en jeu pour les Australiens. Je vois pas ce qu'il est venu se perdre. Petit blanc. Et monté de Bac Riviera. Black. Oh là là, Platidane. Cette fois-ci, c'est bon, les gars. La droite, hein, ah, oui, ah, ouais, pas mal. C'est mou, c'est mou. Ouais, c'est mou. Parce que c'était ah, du pied gauche avec un, une feinte à lui-même. Zidane est tellement étonnant qu'il se feinte lui-même. Ouais, non, mais Lélé mal donné la balle, quand même. Il fallait, ah, pardon. Ouais, alors, oui, oui, oui. Je le vois tellement génial, ce mec. Ouais, mais là, il faudrait le regarder différemment. Hein. Corner pour les Français. Yeah. Il y a toujours 0-0. Yes, toujours 0-0. Australie, France. Yeah. Série de matchs amicaux. Ouais. Ah, oh, c'est bien frappé. C'est pas... Ah, il se lâche. Ah, oui. Il lâche. Ah, oh, il lâche. Oh, il y a une poitrine australienne. Tire des gauches au-dessus. Yeah. Arrêtez tout, les gars, arrêtez tout. Il y a toujours 0-0. Zéro. À mon avis, il va y avoir du changement à la mi-temps parce qu'ils vont pas prendre 500 litres de flotte sur la gueule comme ça sans gueuler, hein. Ouais, la patate, je kiffe ce matin. Ah oui, on est chaud en forme. Pommes frites. Regarde, sortie du gardien, bon, c'est vrai, il la dévie tout de même. Hein. Il empêche de la jouer rapidement, mais c'est affreusement, affreusement laid. Il y a toujours 0-0. Récupération française dans ce ballon au milieu du terrain, bien fait ça, oui. Merci la régie. On monte, oh là là, entre trois joueurs la comtesse. Après il en rajoute un peu. C'est son problème, la comtesse, il ne sait pas s'arrêter. Ouais, quoi. Ouais, il ne compte pas. Quand il aime dribbler, il n'arrête plus de dribbler. Ah non. Remise de Platidane, je pense que c'est Chandelier qui est dans le coup là aussi et qui s'en sort pas si mal. Intervention de la comtesse en lui. Oh là là. Oh, là oh, là les, gars. Oh les gars, vous mettez. Vous faites mal en plus. Vous foutez le moral en l'air là. Ça, je crois qu'ils se foutent le moral en l'air sur un match comme ça, Jacques. Je me demande s'ils sont pas en train de perdre la Coupe du Monde là. 10h24 FM. En petite zone, il est 10h24. Il est allé très haut, Patrick Vieira. Il est allé très haut, oui. Et il récupère cette balle. Black Rivera qui donne sur la droite là-bas. Yeah, Brax qui bouge beaucoup, qui est énorme encore. Ouais. Oui, bien fait, c'est bien fait, ouais. Les gars, ça. Hein, ce... Superbe, superbe. Où est l'arbitre là? Je le vois, il est là. Il est là, tu as peur d'avoir perdu monsieur, ça fait tôt. Oui, oui, parce que ce serait vraiment trop tard. Et Mori, ça fait tôt et Mori, tandis que là, le ballon est dans les pieds de 42. Carnbeu qui donne à Platidane, Platidane au but. Oh, il a tenté de se retourner, il s'est fait confisquer le ball et les Australiens repartent. S'il pouvait nous en planter un, ce serait pas mal du tout, comme ici par exemple. Oh. Yeah, come on guys. Pourquoi il a freiné ce con, il avait de l'avance. 12 oui. Chili. Oh oui, 12 Chili pour l'instant. C'est 2-1. Ah, feinte pitoyable, mais tout à fait réussie. Et les Australiens ne perdent pas la balle, c'est pas mal fait. Ils sont désormais dans le camp français, mais font n'importe quoi. La tricolore team récupère. Tandis qu'on nous a mis quelque chose derrière. Vous nous appelez la régie aussi, vous avez besoin de nous. La régie, il y a un problème. Vous voulez ma carte bleue, la régie, là? On redémarre pas, là? Elle est encore bleue, vous? Le satellite? Ah, on a la chance, hein. Le ballon est monté par la France, qui s'approche de la surface de réparation. Je kiffe sa friture, là. Sa friture, j'arrête. Je suis passé en petite zone, c'est pour ça, c'est assez différent. Montée australienne. Carrefour, je vois pas, une fois de plus, c'est pas l'heure des courses, d'ailleurs c'est fermé le dimanche, je vois pas pourquoi on fout un sponsor de cette qualité-là aujourd'hui, Jacques. Platidane, superbe, il s'amuse. On pourrait éviter le commercial le dimanche. Hein. Oh oui, alors... Mettre au repos la fibre commerciale. Pour mettre des matchs. Bon, je dis pas ça pour le stand vert, ça, mais il faut y penser. L'Australie en contre. Attention,
l'Australien en contre. Ouh, il y avait une kangou face à 42. Oh, mais... oh là là, 42 qui va certainement récupérer cette balle. Sans oui, problème. Ah, je vois la main handball donc féminin. Mercredi 14 novembre. Stade Toulouse-Nîmes. Nous avons des invitations à vous faire gagner. Même si vous n'aimez pas, penser à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui aimerait aller voir ça. Voilà, ça, voilà, c'est voilà, tout. Même si c'est pas pour vous, soyez pas. Voilà. C'est terrible ça. C'est un petit palais de sport, c'est tranquille. Ouais, facile. C'est le soir, c'est ça ? Loin des usines. Vous n'y risquez rien, donc vous pouvez y aller. Le ballon est dans les pieds de Platidane, qui la donne à Makelkeke. Oh, Makelkeke qui s'est alors là, qui s'est trouvé complet. Non, je pense que le réveil musculaire n'est pas là. La précision n'est pas dans les rangs français. Ça, c'est pas mal fait de la part des Australiens. Oui, mais ils n'ont pas pris de but. Ils n'ont pas eu d'occasion non plus les Français, mais les Australiens non plus, Oui, c'est ça. Ça se demandait ce qu'on fout là. Ah. Tout de suite, j'appelle la Fédération française. Voilà, ça c'est le numéro. Voilà. Allô ? S'il vous plaît, la Fédération Française de Football. Passez-moi la Fédération Française de Football, s'il vous plaît. Je voudrais parler à monsieur le maire. Et montez sur le côté droit, tricolore. Il faudrait que les... Voilà, que les Australiens s'agitent, parce que eux, quand même, ils sont en match de préparation. Ah oui, eux, pour eux, c'est pas un match amical. C'est important, et puis face aux champions du monde, on peut attirer effectivement un plus large public en Australie, puisque c'est un sport totalement mineur, totalement nul. Minable. Minable en Australie, le foot, le soccer. Ouais, c'est vrai. C'est battu d'abord par le jeu à 13, ensuite le rugby, et puis là-bas, le football est australien. Et là, c'est autre chose, hein. Ah, le football après, australien. Après, il y a le boomerang. Voilà, hein, qu'on s'envoie dans la gueule de toute façon. Non, et qui revient quand même. Sinon, le génocide arborigène. Un sport australien. Oh là là, là, il a fait quelque chose de magnifique. Je m'excuse de t'avoir coupé dans cette volonté de dénoncer effectivement les exactions. Et je pense que nous n'allons cesser là la politique dans le sport. Et nous allons peut-être, après ce but australien, prendre un petit jingle. Le but. Ah oui, le but australien. Moi, je le sens aussi là. But est là. Maintenant, les gars, oh là là. Il va se passer quelque chose, c'est pas possible. Platidane qui a failli chuter, s'endormir. Peut-être. Il monte, il passe, il la donne. Il a été un peu bloqué, mais quand même. C'est le jingle, la musique. Campus 94. FM. Ouais, d'accord. FM, les gars. Les flemmes, ouais. Ouais, un petit peu aussi. Et là, il y a une intervention sévère de monsieur Saffeto. Ocon. Ocon. Kewel, quoi. Kewel Ocon. Regarde ça. Il était parti. Oui, Pirek, c'est vrai qu'il était passé. Ouais. Là, bon. Il est en pleine. Il y a une tragique faute. Oui. Terrible faute. Il est en pleine explosion, Pirek, en ce moment. Ah oui, on le voit. D'ailleurs. Hein. Il demande s'il n'est pas d'origine toulousaine, lui. Merci madame, oui merci de me tendre cette chose. Ne vous étonnez pas si après on est... Ah. Arrêtez madame de nous tendre ça, voilà. Merde, je vais regarder quand même dans le journal s'il n'y a pas quand même une information sur ce match, une information précise, chacun. Ouais, à quelle heure il y aura le but par exemple, si on aura beaucoup, beaux, des magnifiques... 33e minute, ouais. But. Ah ouais. Et beau, il est beau. Ils le disent pas. Ah merde, il n'y a pas la photo. Non, il n'y a pas la photo, et moi, monsieur Saffeto n'a pas la photo. Et le est dans les pieds de Lebleu. Tout va bien pour le bleu. Le bleu qui donne à Chandelier qui transmet intelligemment cette balle maintenant à la comtesse. À la comtesse qui se retourne et qui sent de la feinte, qui tente de donner le petit ballon vertigineux, mais qui finalement se met minable. Et l'Australien repart. Bon, avec OCB. On cherchait. Un autre, mais ils cherchent où ils sont. OCB qui a eu un très bon papier ce matin dans un journal local, je dois le lire. Hein. On parle beaucoup de lui pour remplacer l'entraîneur Rezla. Je le crois in excess. Aussi. Le ballon est bien là, le ballon in excess à CDC maintenant. C'est la semaine prochaine qu'il faudra en mettre suffisamment d'essais. Oh, Platidane, face à l'Australien. Oh, Platidane, il est pas bien. Il donne que des petites balles molles qui n'arrivent jamais dans les pieds des partenaires en tous les cas. Ah, bah c'est dimanche matin. C'est ça. c'est... Et non, pour eux, c'est dimanche soir là-bas. Oui, mais dans la tête, c'est dimanche matin. Culturellement, c'est dimanche matin. Culturellement, il est. Biologiquement, l'horloge biologique humaine est beaucoup plus fine que ce qu'on peut penser de soi-même. Merci Jacques pour cette précision scientifique, ce qui m'amène à penser qu'effectivement ça fait tôt. Le ballon est australien. Non, pas rien qu'en regardant la montre. Et l'état. Oui, petite balle française. Allez messieurs, partez d'un bon principe. Crédit à Nicole là-bas.
Oh oui, il est passé. Oh, elle est passée. What a damage. Il y avait un boursier intéressant et intéressé au carrefour. Il n'est pas intervenu, monsieur Saffeto. Il a considéré que c'était bien joué, que ce n'était pas faute. Oh, il n'a pas que des tares, hein. Lui, qui c'est ça? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ça, c'est John Casquette, l'entraîneur. Ouais, il est pas mal, hein. Aussi. Aussi. Aussi, de, entraîneur de quoi il est donc? S'il est aussi entraîneur d'Australie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'une bonne balle, une bonne balle australienne, vas-y, go, go. Il n'y a personne, le pauvre type, il n'y a personne. Oh, remarque, ça met un corner, hein. Et il a tenté le coup, tout de même. Que Barthez s'est présenté toute couille dehors. Cuisse écartée, livré, offert. On peut voir ça, tandis que là, on voit les préservatifs tout excités. Ah, il y a 90 000 préservatifs dans ce stade. C'est hallucinant, il n'y en a pas un seul qui bouge. Petit coup du dimanche matin, vous connaissez. Attention. Tu veux l'hostie? Attention, attention, Jacques ouais. Corner australien, déconne pas. Oh là là, qui c'est qui a mis ce coup de patte infernal là dans la surface de réparation? L'équipe de France Purex qui se barre. Oui, mais il se barre. Il se barre. Les Australiens qui récupèrent côté droit, là il y a un truc à faire. Il faut les jouer plus vite. Oui, c'est sûr ça, Jacques, que tu fais bien de leur dire. Jouer plus vite. Eh bien, décale-toi, Coco, tu peux le faire. Oh là là. Bon, regardez pas assez les matchs à la télé. Hein. Hyundai. Il peut centrer. Hyundai Vich. C'est assez regrettable. Oui. Ceux qui n'ont pas les images sont aujourd'hui sauvés. Ready, Max, control. Control. Ne vous réveillez pas pour regarder ce match. Ce n'est pas la peine. Si vous avez juste la radio, ne vous réveillez pas. C'était faisable pourtant là. Hein. Il avait pris. La transformation. Le dixième de seconde d'avance sur Marcelo. Ces deux équipes vont se transformer. Uba-up. Star-strap-up. Voilà, donc vous pouvez donc indiquer quels joueurs vous allez garder à la fin de cette première mi-temps. Vous savez que vous êtes sur TF1, un monde de sélection. Donc vous sélectionnez les joueurs qui vont rester sur cette première mi-temps au 05, 1, 2, 3, 4, 0, partez. Sur le canal 94. Et le ballon est remonté minablement puisque les Français sont carrément dans leur moitié de terrain et c'est Chandelier qu'à la balle. C'est chiant de lire. Ah, parfois, hein, c'est pas lumineux. Avec la comtesse qui est obligée de prendre un petit peu plus puisque Platidan délaisse plus ou moins la conduite maintenant de cette partie. Oui, il se décale à gauche petit à petit et devant. Je ne sais pas ce qu'il a là. Ici, regarde, on ne le voit plus. Il se laisse aller. Il commence à donner sur le côté gauche de la surface de réparation. Exactement. La donne là derrière. Ta chandelier est à chandelier. Deuxième poteau, il n'y a personne. Et puis les autres, dans l'affolement général, les Australiens, même quand il n'y a pas danger, mettent un corner. 30 minutes, corner pour l'équipe de France. Que va-t-il se passer? C'est un jingle? Pas du tout. Ah, c'est la musique, ça. Du coup, c'est pour vous, Jockey. Merci. Je sais que vous aimez ce style de piano, Steinway, modèle 59, grand queue. Pendant ce temps-là, du côté français, on trouve le moyen de se foutre hors jeu. Il y a toujours égalité. Même quand il n'y en a pas, ils se foutent hors jeu. Il n'y a pas eu de but, il y a 0-0. Il y a toujours égalité. 0-0. Quel match de pourriture, tout le monde l'avait annoncé. Mais le maire, il a dit, faut y aller jouer, vous allez pas m'emmerder. Ça fait tôt. Ça fait trop tôt. Ça fait tôt, ça fait tôt, ça fait tôt, ça fait tôt. Ça fait 0-0. Allez, une montée dans les pieds de Brussels qui donne Marcelo. On essaye d'agiter, mais... Ça fait tôt. Ça fait tôt. Toujours 0-0. Ça veut dire quoi, Jacques? Les joueurs français, là, à cet instant, là, au moment où ils jouent, à quelle heure ils sont physiologiquement? Oh ben là, ils sont à l'heure où nous sommes ici, 10h35. Tu penses? Il n'y a pas eu de décalage un peu plus, ou 15h, ou truc comme ça? Ah, il y a un jour et demi de décalage, un truc fou furieux, quoi. Ah, ouais, d'accord. Et alors, on est lundi, alors? Ah, déjà demain. Attention, le ballon est remonté par les Australiens pendant que vous déconnez, là, avec le calendrier. Ne foutez pas de la gueule du calendrier. Oh, on peut s'amuser, quand même. Le Bush. Pas W, hein, le Bush, le vrai. Celui qu'on nous aide au dessert. Ouais. Le ballon est bien monté par les Australiens sur la surface. Ils peuvent le faire, dommage. Kiwi n'a pu recentrer cette balle, mais c'était bien vu. Ça fait tôt. Platidan qui monte un zizou. Il est fou, il perd la balle, il est pas dans le coup. Ah bon, il est trop décalé. Je crois qu'il est lessivé. Mal réveillé. Et pourtant, Australie avec qui? Skippy qui perd la balle immédiatement. Et ce sont les Français qui peuvent repartir. Ça ne passe pas la moitié de terrain. On n'a pas vu pire depuis... Dans le rond central. Ouais.
On monte sur la droite. Allez les gars, on galope un petit peu. Au moins jouez 2-3 actions à fond. Et puis après, bon, si vous voulez vous reposer, reposez-vous. Mais quand même. Qui va centrer? Qui va tirer? C'est Chouki. Chouki qui centre rapide, bordel. Et boum. Ah, tire juste au-dessus de la cage australienne. Oh, oui. Enfin, ma kékéké. Oui, il n'y a que lui, il n'y a que lui dont on peut attendre quelque chose. Lui, il mouille le maillot, lui, effectivement. Quelque chose. Il est obligé de le faire, bien sûr. Il n'est pas titulaire, bien sûr. La remise était de la comtesse et la phrase était... la phrase était... Oui. La frappe était... Alors, être titulaire, ça veut dire quoi, concrètement, pour un joueur moyen X ou Y ou Z? Si tu veux, c'est une notion de pression, hein, être titulaire. Tu as moins de pression si tu sais que tu vas jouer le match, tu peux te préparer, tandis que si tu ne le sais pas, tu peux être très, 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 très mal. Ça veut dire que tu es sélectionné, hein, finalement, un petit peu plus, tu es privilégié par rapport aux autres joueurs. C'est un petit peu ça, c'est une forme de privilège, notamment dans la notion de haut niveau où la concurrence et la compétition bon. Mais est-ce que c'est démocratique dominante. Alors on peut accepter bien sûr une forme de diktat, hein, forcément, puisque c'est un seul qui choisit. Donc effectivement, ce ne sont pas les joueurs qui s'élisent entre eux pour jouer, voilà. Merci, c'était le professeur Valve dans Politique et Foot. C'est une remontée sur la gauche avec l'équipe de France. L'équipe de France, la comtesse Chandelier qui appelle le ballon, c'est magnifique, il peut, non, il feinte le centre lui aussi, il veut repiquer sur son pied droit, il ne le fait pas. Intervention d'un défenseur australien. Récupération française, la comtesse. Alors ils peuvent appuyer un peu, oh là là, les gars, faites quelque chose parce que là c'est grave. Hein. Strike. Touchette. Il y a un léger strike et c'était une intervention de Monsieur Safeto. Et ce sera un coup franc pour les Australiens qui vont pouvoir se dégager. Ça fait vraiment tôt. Nous vous parlons, je vous le rappelle, depuis les studios de Radio Campus Toulouse. Pour l'instant, la vitre n'est toujours pas réparée. Ah, sur la 6, par contre, c'est plus sympa. Hein. Ça bouge plus, il y a du mouvement, il y a de l'envolée, on rigole. Hein. Et vous inquiétez pas, oui. Je ne dirai rien. C'est vrai. Merci. Et Jockey. Bacri Vieira, finalement. Oh, dites-nous tout. Marcelo qui vient presser tout le monde un peu. Allez les gars, on y va, on joue. Voilà, jouons Bobo. Joue Bobol. Allez, joue Bobol. Il est exactement 10h35. Ah, moi j'ai 39. Ah merde. J'en ai 4 de plus que ah, toi. Ah ouais, ça c'est tant pis. Hein. Ah. Avec ce ballon récupéré là par Carrefour. Oh, Carrefour ouais, qui donne. Rayon lessive. Position de hors-jeu qui n'était pas franche au départ. On n'a rien vu de toute façon. C'est donc un coup franc pour la France. Tandis que Jacques fait du recyclage. C'est important de recycler tous ces putains de matériaux de merde qui nous font bouffer, grandir, rêver, égocentrer. Bien, eh bien, s'ils pouvaient égocentrer en retrait, au moins on aurait quelque chose, une partielle de danger. Mais alors, même pas, ce sont les Australiens qui récupèrent dans la moitié terrain. Ils sont 160 là, à côté du rond central. Ouais, il y a beaucoup de... Et après, il n'y a plus genre, rien. Voilà, les Australiens qui sont tout étonnés de voir ce sport qu'ils ne connaissent pas. Alors, ils se rapprochent du terrain. Ils veulent toucher, hein. Ah ouais, ils n'y croient pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bien fait, ça. C'est bien fait, c'est une récupération française. Oh là là, on joue. C'est l'entraînement maintenant. On voit là-bas, Avi Vincent. Hein, l'homme qui avait vu la pub. Alors qu'il cherchait un ralenti. Et Bacri Vieira s'est fait secouer le tibia. Non, c'est pour la pub. Il s'est fait mettre pipette, hein, Bacri Vieira. On va revoir ça gentiment. Là, il met... Oh oui, oh là là, oui, en fait, c'est pas tout à fait comme il voulait le lui faire. Ouais. Il lui a fait bobo. Il s'est passé quelque chose. Oh là, tu vois. Alors là, Wenger, il doit être devant le poste de télé, il doit tout péter. Ah ouais, je pense que l'entraîneur qui s'occupe de ce joueur en club, et le club, vous savez, c'est une notion, c'est du privé, le club. Hein, ouais. Alors que là, l'équipe nationale, c'est du public, et donc le... privé ne voulait pas que les joueurs partent dans ce match amical si lointain, si fatigant, si harassant. C'est curieux parce que dans les hôpitaux, Jacques, on gagne plus dans le public que dans le privé. Oui. Tandis que dans le football, on gagne plus dans le privé que dans le public. Hein. Enfin, on gagne pas à être à l'hôpital. Oui, il y a goal, il y a goal. Australia, l'Australia, et là où la putain, la putain. Ah, mais c'est pas vrai. Pute. L'équipe d'Australie vient de manquer le manquable. Là, il y a eu le feu à la maison. Oui, t'as raison. Il y a eu le feu à la maison, reviens Mélulambo. C'est terrible. Il a frappé un peu dommage parce qu'il avait fait le coup, hein. Olé, c'est bien joué. Et là, sur sa frappe, il sait qu'il a en face de lui l'un des meilleurs gardiens au monde, il est impressionné. Il n'est pas complet. Corner pour l'Australie.
Nous jouons depuis 37 minutes, à l'instant où je vous parle, l'Australien devient dangereux. Barthez qui sort la tête, la main et le ballon. Récupération d'un tricolore, mais celui-ci était scellé, il perd même la balle. Bon, c'est bien joué, les Australiens poussent. Les Australiens passent, les Australiens s'en rentrent. Encore une bonne tête française en défense, heureusement. Platidon qui récupère, il est revenu un petit peu. Ouais, il vient soutenir ses partenaires. Et on peut écarter du côté droit, 42. Ah, pour les Bleus. Ah. Qui jouent en blanc, qui font presque semblant. Le bœuf. Qui transmet Platidon, El Zizou. C'est un téléphone, aussi, non? Zizou, quoi, c'est El Zizou, magnifique Zizou, qui va transmettre un... Oh, avec moult choune, il récupère la balle. El Platidon, un centro trop fort. Non, c'est n'importe quoi, même si lui se met à jouer comme un tocard, alors, où va la France? Où va le football? Il est 10h40. A donde está el juego? Hein? Il est 10h40. Peu. Why football? Attention à ce dégagement. Un dégagement lointain. 0-0. Yes! 0-0 entre les deux formations. La balle a le ballon dans le rond central. Platidon qui joue pour cette fois pas mal. 0-0. Oui, on monte sur le côté droit, 42. La passe n'était pas dans Talmin, il a dû freiner. Australia. Yeah, 0-0. Score vierge nul et chiant. Dégagement de Skippy. Oulala, un CDC légèrement bousculé, l'arbitre est intervenu, c'est un coup franc. On écoute le commentateur australien 5 secondes. And in all those years, not very many people came. Maybe 7 or 8 a night. Maybe I didn't help them very much. Ça, but violent. I never lied. And maybe I didn't speak very much. C'est le bon horaire pour lui. Je pitoyable, coup franc pourri des Australiens qui perdent là l'occasion de se montrer dangereux et ce sont les Français qui repartent. Bon, avec une petite où est-ce qu'ils vont là? Parce que je veux dire, il faut qu'ils nous précisent où ils vont. Ah oui, hein, c'est on veut tout savoir de l'équipe de France championne du monde et d'Europe. Drop? Champion drop? Non, il n'y en a pas eu hier, hein. Je crois pas. Oh, moi j'en ai vu. T'en as vu un? Ouais. Le ballon est bien sur la droite cette fois-ci. France 1, une infiltration. Bakri Viera, s'il peut centrer, c'est beau, mais là il était. Ouais. C'est vrai que j'ai vu un joueur dropper. Again. Le nom, s'il vous plaît, 40 minutes, nous sommes bien. Nous sommes bien. Nous sommes bien dans la merde. Vous êtes seul, Jackie? Oui, aujourd'hui, oui, absolument, oui. Pas Chronospeed avec vous, par hasard. Surtout pas. Chronospeed ne fait pas des voyages de 15 heures. Ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien. Non, mais ça, non, mais vous nous l'avez déjà dit que vous ne direz rien, et vous le redites, alors c'est pas bon. Dites rien du tout, quoi. Fermez-la. Voilà. Yes, le ballon, and now, it's very wide now. Attends, for Radio Garfield. Hey. Foutez-moi du grave, tu vois, si on te le fait pas, very white. Yeah, I'm very white, I'm Lacey's Bullard. Mais on va prendre un petit, je vais en prendre un petit sandwich moi, parce que c'est vrai que là j'ai la dalle. Hein. Si vous êtes pas loin à la mi-temps des studios de Radio Campus, n'hésitez pas à me transmettre un croissant par. Ouais, on a du rouge. Par chronopiste. Merci Jackie. Ah oui, une belle tolonade là. Magnifique. Marie White. Ah, c'est excellent. Le ballon est pris par le bluff. On pourrait se faire un petit commentaire comme ça, en grave, vraiment grave. Pour une fois, mettre une dimension, c'est mystérieuse dans le football. Tu as raison. C'est vrai, quoi. Ballon dans les pieds de l'équipe de France maintenant. Avec le bluff, nous approchons de la mi-temps et il ne s'est rien passé, si ce n'est du côté tout de même australien où ceux-ci se sont montrés particulièrement dangereux. Hein, aussi bizarre que ça puisse être, effectivement, ce sont les Australiens qui ont eu les meilleurs coups à jouer. Qui nous ont pas bien joué, mais ils ont eu les meilleurs. Et regardez, ils se font des petites talonnades, ils s'amusent, ils récupèrent les ballons. Ils montent sur la droite plus régulièrement que sur la gauche. C'est une analyse que je me suis fait. Regardez, ils sont bien, il n'y a pas au jeu. Il faut la grande jambe de Marcello pour empêcher ce ballon. Hein. À noter quand même que ce match est en hypothermie, Jackie. Oui, c'est surtout le match, il est sous la flotte. Vous voulez rire ou quoi? C'est quelque chose. Hein. Ah, corner! Je me régale avec le mot corner, je ne sais pas pourquoi ce mot me plaît plus que penalty, vous savez? Ouais, penalty, j'ai du mal, mais corner! Il y en a un qui a plus de nerfs que l'autre. Dis donc, autant de corps d'ailleurs. Et c'est un bon petit, instant pour les Australiens. Hein. Oui, ce coup de pied de coin. Alors qu'on met les décorations de Noël, me semble-t-il, autour du stade maintenant.
C'est parti. Oh, premier poteau, peut-être ouais. Tendu, mais c'est Platidan qui a dégagé cette balle. Ah, il en a marre, Platidan. Il fait chier, il pleure, on m'en la gueule. Qu'est-ce qu'on fout là, j'ai sommeil. Merde. Il n'y est pour rien, il n'y est pour rien. Il essaye ce qu'il peut, mais bon, quand même. Hein. Ballon, ballon bien lifté de la part de la touche. Oui, c'est ça, de nouveau un corner. I know drug real from real real. Real, real, yes. Radio, real, radio. km/h pour chronospeed, c'est regrettable. Ah ben au moins il y a du son cette fois-ci. Oui. Corner pour l'équipe d'Australie qui presse, qui pousse, mais qui ne passe pas. Okay. Oui, oui, goal, 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 goal de Roger Moore. Australia goal. De la beauté. Australia goal. 1-0. 1-0. 1-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 1
14 novembre à Toulouse. Avec le numéro de bonheur 354. Moi, que ce soit 454, hein, les c'est, gars. C'est mieux, hein, 454. On va prendre les deux, 354 et 454 pour gagner deux. Le numéro de bonheur du bonheur. Le numéro du bonheur de bonheur, il est exactement 11h55. L'ensemble des chaînes nationales en qualité numérique. Et les boutons. Absolument.